je me dis, ça a marché à Albi, ça a marché à Lyon, il n'y a pas de raison que à Toulouse, on n'ait pas aussi le bénéfice. De toute façon, vous savez, c'est pas un arrêté qui crée de la misère ou qui supprime de la misère. Les périmètres pourront bouger. Ça veut dire que les temps d'application de l'arrêté pourront également évoluer. Quand vous parlez de faire bouger les secteurs, est-ce que ça ne va pas ressembler à une chasse aux sorcières au final ? Ce n'est pas une chasse aux sorcières, je le répète. Il s'agit, je le répète pour être compris, hein, il s'agit strictement de s'attaquer à certaines conséquences négatives de la prostitution, à certaines nuisances qui dérangent les Toulousains qui habitent à côté. Voilà. Il y a des prostituées qui sont toulousaines. Là, vous protégez des Toulousains, mais pas tous les Toulousains en faisant ça, il me semble. Je protège tous les Toulousains qui sont dérangés par certaines conséquences de ce phénomène.